y a plusieurs années sur la rive droite de Bordeaux, dans une commune qui s'appelle Lormont. Nous avons monté avec des amis, et notamment une psychomotricienne, Pascal Favy, un club de petits bébés baigneurs. Et des années après, 10 ans après, Pascal est partie sur Paris, toujours comme psychomotricienne, et là-bas elle est devenue auteure de livres d'enfants. Elle a rencontré Julie Cotte, qui est éditrice chez Mango, complice, qui cherchait quelqu'un pour écrire un livre sur les 1-3 ans. Pascal a pensé à la pédiatre de Bordeaux, et elle m'a posé la question. Je ne savais pas du tout à quoi je m'engageais, et j'ai dit oui, je veux bien écrire un livre. J'ai rencontré Julie Cotte 2 mois plus tard, et elle m'a montré le type de livre qu'elle voulait, quelque chose qui faisait à peu près 400 pages et qui pesait plus d'un kilo. Oula, je me suis inquiétée. Et au mois de novembre, j'ai reçu le contrat. Jusque-là, je croyais que c'était pas vraiment sérieux, en fait. Et qu'à Paris, ils avaient tout le monde qu'ils voulaient. Et je trouvais très bizarre qu'ils viennent chercher quelqu'un de Bordeaux, même de la rive droite de Bordeaux, d'un patelin qui s'appelait Tresse, un pédiatre de Tresse, pour écrire un livre. Et finalement, c'était très sérieux, le contrat faisait 17 pages. D'ailleurs, je me suis dit, s'ils sont capables d'écrire un contrat de 17 pages, peut-être qu'ils sont capables d'écrire tout seuls le livre. Et l'aventure est partie comme ça. Sur le contrat, il était écrit que le livre devait être fini en janvier, fin janvier, donc 2 mois et demi plus tard. Oui, moi j'ai fait des yeux comme ça, j'ai 2 mois et demi plus tard. Alors j'ai tapé le tambour et j'ai demandé à tout le monde de m'aider. 60 personnes professionnelles de la petite enfance sont venues m'aider en apportant des textes. Et surtout les parents que je fréquentais dans mon cabinet m'ont dit, moi, nous on peut écrire des histoires, partager ce qui se passe dans notre quotidien. Mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas aussi des mots d'enfant? Au moins un toutes les 2 pages. En fait, il y a eu 200 mots d'enfant. Une centaine d'enfants ont donné leurs petits mots d'enfant. Et le livre s'est construit comme ça, petit à petit. Alors l'idée, c'était quand même, pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté parce que je pensais que ce que je disais tous les jours dans mon cabinet en tant que pédiatre pouvait, grâce au livre, être diffusé à davantage de personnes. Et toutes les questions qu'on me posait dans mon cabinet à longueur d'année, eh bien là, je pouvais y donner une réponse et je pouvais aider des parents en dehors de mon cabinet. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce livre. Le livre, il est construit en 4 parties. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, tout ce qui se passe à l'extérieur de la maison, comment cet enfant entre 1 et 3 ans se construit dans son psychisme, dans son corps, dans tout ce qu'il peut appréhender, et comment on peut le soigner. Et à partir de ces 4 modules, je vais dire, chaque fois, les parents peuvent trouver à l'intérieur du livre des idées, des trucs et astuces, d'ailleurs j'en ai mis beaucoup, des trucs et astuces pour accompagner leur enfant dans le développement de ce petit bout de chou de 1 à 3 ans. J'ai fait un parallèle entre l'évolution de l'humanité, à partir des livres d'ailleurs de Pascal Pic, qui a préfacé cet ouvrage, j'ai fait un parallèle entre l'évolution de l'humanité et l'évolution des enfants à cet âge-là. Nous avons mis des millions d'années avant d'arriver à l'être humain que nous sommes aujourd'hui, les sapiens. Des millions d'années, et on est comme nous sommes, alors les scientifiques sont un peu partagés, on est comme nous sommes aujourd'hui depuis peut-être 70, 80 000 ans, peut-être 200 000 ans, on ne sait pas trop encore. Hein. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis qu'on est des sapiens, on n'a pas beaucoup changé, et nos enfants font un résumé de cette évolution d'humanité en quelques mois. Alors ça nous paraît long quand on est parents, de voir que le petit, ben, il est tout petit, là, il gazouille, il ne bouge pas encore. Or, en quelques mois, eh bien, il va se mettre debout, il va acquérir la bipédie, il va marcher, et en quelques mois, il va acquérir le langage. Et avec le langage, il va commencer à imaginer son monde, à imaginer le monde. Il va vivre avec les autres, et ça, c'est absolument fabuleux. Pour répondre à votre question sur le développement, les parents d'aujourd'hui, par rapport à ceux d'il y a 30 ans ou avant, sont souvent très attentifs au développement de leur enfant. Et moi, des fois, je leur dis qu'ils en font beaucoup, presque un peu trop. Et en même temps, ça témoigne du souci de bien guider leur enfant. Peut-être que ce que peut apporter ce livre aux parents, c'est de donner plus de confiance à ce petit être humain qu'ils ont à la maison et qui est câblé pour faire tout ce qu'il a à faire en tant qu'être humain. Et donc peut-être des fois un petit peu lâcher prise par rapport à toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour ce petit bout de chou. La pratique narrative part du principe que ce sont les histoires qui nous animent
Et que ce sont les histoires qui nous animent et non pas nous qui faisons, qui fabriquons des histoires. Et le monde regorge d'histoires. Et dès qu'un petit enfant vient au monde, il y a déjà une histoire qui se dit sur lui et qui se dit souvent aussi devant lui. Par exemple, là, ces jours-ci, il y a 3 jours, est née dans notre famille une petite fille que les parents, mes enfants, appelaient Stella. Stella, ça veut dire étoile. Donc déjà sur 7 enfants, il y a une histoire qui se raconte, elle vient au monde déjà avec une histoire. Et nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de fiction, des êtres d'histoire. On se raconte des histoires sur nous, sur les autres, à longueur de journée et à longueur de vie. Et ce sont ces histoires qui parfois nous portent, mais parfois nous coupent les pattes aussi. Et quand un petit enfant, on va dire « Ah, vous savez docteur, il ne vous répondra pas, il est timide ». Eh bien, c'est une histoire qu'on raconte à l'enfant et l'enfant va se conformer à cette histoire. Et peut-être que quand il aura 30 ans ou 40 ans, il n'osera pas faire certaines choses ou dire certaines choses parce qu'on lui aura dit tout petit, il est timide. Alors que peut-être à un autre moment, on va dire à cet enfant cet enfant, il a telle ou telle capacité. Il risque aussi, il aura peut-être des chances de se conformer à cette capacité. C'est ça la pratique narrative en fait. C'est arriver à aider les enfants avec des histoires et des histoires préférées et diminuer les histoires ou ne pas faire venir les histoires qui pourraient gêner les enfants. Et moi, j'en entends tous les jours dans mon cabinet. Par exemple, cette petite fille qui vient au monde, elle a 2 mois, et la maman n'arrête pas de dire que tu es bête, que tu es bête, que tu es bête. Et quand je demande à sa maman pourquoi on lui dit ça à cette petite fille, pourquoi cette maman dit ça à cette petite fille, elle me dit bah, parce que moi, on me l'a toujours dit. Et d'ailleurs, je vais passer mon CAP pour la 5e fois dans quelques jours et je ne l'aurai pas. Voilà. Et quand la pratique narrative, elle fait quoi là? La pratique narrative dit bon, et est-ce que ça vous a aidé dans votre vie que l'on vous dise ça? Et la maman réalise que non, elle prend son enfant, elle la câline et elle lui dit que tu es belle ma fille. La pratique narrative, c'est simplement des questions que l'on va poser, bien ciblées, pour aider les personnes à réaliser qu'il y a des histoires qu'on peut se raconter sur soi ou sur les autres, qui sont des histoires qui aident, plutôt que d'avoir des histoires qui font du mal.